الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في نهاية الدرس فيما يتعلق بعيسى عليه السلام وبنهاية كتاب قصص الأنبياء للشيخ خليل الدريان، وقلنا إن هذا الكتاب فيه ذكر القصص الحق وبيان ما ذكر مما لا يصح نسبته إلى الأنبياء، وقد تعرضنا إلى كل هذا في المجالس السابقة. Alors on est peut-être vers la dernière leçon au sujet de Isa alayhi salam, l'avant-dernier messager, parce que le dernier de tous les prophètes c'est Sayyidina Muhammad alayhi salat wa salam. Et peut-être sera la dernière leçon de livre Qisas al-Anbiya, les histoires des prophètes, qui a été fait par un cheikh très modeste qui s'appelle Cheikh Khalil Darian, et dans lequel a bien clarifié les histoires qu'on n'a pas le droit de les attribuer aux prophètes. Alors dans ce chapitre, on va parler des paroles de sagesse que Isa alayhi salam a dit pour ses élèves et pour sa communauté. Min aqwal Isa alayhi salam ruwiya anna Isa ibn Maryam alayhi salam waqafa huwa wa ashabuhu على قبر فجعل أصحابه يذكرون القبر وضيقه فقال لهم عيسى عليه السلام قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم فإذا أحب الله أن يوسع وسع. يعني هذا القبر هو ضيق، لكن إذا شاء الله تعالى يوسعه لمن يشاء، وقد كنتم قبل في بطون أمهاتكم أحياء وهذا أضيق من القبر. Alors ça a été rapporté de Jésus, fils de Maryam alayhi salam, qu'il était un jour à côté d'une tombe avec ses compagnons. Et ses compagnons, ils étaient en train de parler de la tombe, comment il est restreint, comment il est pas grand, très restreint. Et Sayyidina Isa a dit, vous étiez dans quelque chose plus serré que ça, plus restreint que ça. Vous étiez dans le ventre de vos mères. Et si Allah Ta'ala a voulu pour quelqu'un qui soit dans sa tombe, c'est-à-dire élargi, il sera élargi. Yani, la tombe de certains seront élargies. Et que comme vous étiez dans la tombe de vos mères et vous n'avez pas senti que c'est restreint, alors pour certains, ils seront dans la tombe. Et la tombe, pour nous, elle est restreinte, mais pour la personne lui-même, il le trouve grand. Et les anges le fait élargir 70 coudées sur 70 coudées. ورد أن عيسى عليه السلام قال في أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علماء أمة محمد علماء حلماء بررة أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء. Ça a été rapporté, c'est une parole qu'on a déjà citée, que Isa alayhi salam a loué les savants de cette communauté et il a dit les savants de cette communauté, c'est des savants indulgents, pieux et qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur maîtrise de la science. Ils ressemblent aux prophètes par leur maîtrise de science dans la religion. Ils ressemblent aux prophètes. ورد أن عيسى عليه السلام قال يوما لتلاميذه الحواريين كلوا خبز الشعير واشربوا الماء القراح واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين بحق ما أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. معناه لو اقتصرت على أكل الشعير خبز الشعير والماء يمكن أن تعيش بها، والمهم أن تأكل حلال لا تمد يدك إلى حرام. ولو اقتصرت سنين على أكل خبز الشعير فقط، وهو الشعير مغزن جدا ولا تمد يدك إلى الحرام، ثم قال حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، معناه من أخذ التنعم في هذه الدنيا بالحرام فيذوق المرارة في الآخرة، وأما من زهد في الدنيا وترك الحرام وتعرض للمرارة في الدنيا عند تركه للحرام فيكون يجد الحلاوة في الآخرة. Alors ça a été rapporté que Isa alayhi salam était avec les apôtres, avec ses élèves, et il a dit mangez le pain d'orge et buvez l'eau claire, l'eau pure, et sortez de ce bas monde sain et sauf. Que ça veut dire cela? Ça veut dire consommer, ne consommer que le halal, ne serait-ce que le pain d'orge et l'eau. Si tu le prends de halal, tu peux vivre avec ça. Mais l'importance que tu sors
de ce bas monde, sain et sauf, c'est-à-dire sans commettre de l'injustice envers les autres, sans le prendre d'une source illicite ou haram. Et il a dit avec vérité, avec toute droiture, je vous dis, la douceur de bas monde, c'est l'amertume dans l'au-delà. L'amertume dans le bas monde, c'est la douceur de l'au-delà. Ça veut dire, si la personne à chercher le luxe, le plaisir dans ce bas monde, sans distinguer entre halal et haram, il court, il prend tout de tous bords, sans chercher le halal. Seulement, il cherche ce qui est bon, ce qui est luxe, et il ne sépare pas le halal du haram. Alors, ça, la douceur, ça va te ramener une amertume dans le jugement et le châtiment. Et maintenant, si tu patientes dans ce bas monde, si tu patientes dans ce bas monde et tu ne cherches que le halal, alors tu vas trouver une certaine amertume, tu vas trouver une certaine difficulté. Alors, ça sera pour toi la douceur dans l'au-delà du fait que tu as patienté aujourd'hui. ورد أنه قيل له من أشد الناس فتنة فقال زلة العالم فإن العالم إذا زل يزل بزلته عالم كثير يعني أناس كثر يزلون أخطر من أخطر الفتن أن يزل عالم أن يضل عالم فإنه إذا ضل العالم يضل بسببه أناس كثر. Alors ça a été rapporté qu'il a dit, on a posé la question à Jésus alayhi salam, c'est quoi la personne qui peut ramener plus de fitna, plus de séduction aux gens. Il a dit, si le savon a glissé, c'est-à-dire si le savon est tombé dans un égarement, parce qu'il a dit, si un savon a glissé, il est allé dans une fitna, à cause de lui, il y aura après beaucoup de gens qui vont glisser et qui vont faire comme lui. Et surtout lorsqu'il y a certains, par exemple, il dit quelque chose de faux et les gens le prennent comme exemple et comme savon. Ils vont le suivre et par la suite, beaucoup de gens ils tombent dans l'égarement. Zallatul alim, zallatul alam. Yani, si un savon glisse et il dit quelque chose qui n'est pas en conformité, qui est de l'égarement, qui contredit la religion, et après les gens le prennent comme guide, comme exemple, ils le suivent, et puis après beaucoup de gens tombent dans l'égarement à cause de lui. Comme le cas, un exemple, Ibn Taymiyyah, il est considéré pour certains savants. Il a glissé dans le tassim et le tashbih, et les wahhabites et le mujassima l'ont suivi dans l'égarement. إذن هذا الرجل الذي نصب إلى العلم كان عنده علم ابن تيمية لم يكن جاهلا كان عنده علم لكن أضله الله على علم فضل بسببه ملايين ضل بسبب هؤلاء المجسمة وروي أنه عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال يا معشر الحواريين لا تحدثوا بالحكم غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. معناه إذا تحدثت بالحكم لأناس لا يأخذون بها ولا يكرمونها ولا يعملون بها إذا ما فائدة أن تقول الحكم أمام أناس لا يتعظون ولا يعتبرون ولا يعملون بها فأنت وضعتها في غير محلها وضعت الحكمة في غير محلها وإذا منعتها من أهلها وإذا منعت الحكمة من يستحق أن يسمعها تكون ظلمت هذا الإنسان بمنعه لهذه العلوم وهذه الفوائد. Alors il a été rapporté qu'il a dit un jour devant le peuple de Bani Israël, il a dit: Ô vous les apôtres, ne parlez pas de la sagesse, c'est-à-dire dans la religion, devant les gens qui ne méritent pas, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas considérer, qui ne vont pas la mettre en pratique, qui ne vont pas la tenir, qui ne vont pas la profiter de ça, ils vont la négliger complètement. Alors il a dit, c'est comme, ça sera il n'y a pas de sagesse de faire ça, tu parles de sagesse et des bonnes choses devant des gens qui ne prennent pas en considération. Et cela, ils ne le respectent pas, ils ne la mettent pas en pratique. Et il a dit, il ne faut pas la priver de ceux qui méritent, yani, devant les gens qui veulent la science, qui veulent entendre la sagesse, qui veulent la mettre en pratique. Il ne faut pas priver de ces gens-là et vous seriez injuste envers eux.
ومن حكمه عليه السلام أنه قال لا تطرح اللؤلؤ على إلى الخنزير فإن الخنزير لا تصنع باللؤلؤ شيئا ولا تعطي الحكمة من لا يريدها. Dans le même sens à peu près. Ça c'est très connu. On dit que Jésus alayhi salam a dit ne mettez pas des perles sur le cochon, parce que le cochon, qu'est-ce qu'il fait avec les perles? Si tu mets une chaîne de perles sur un cochon, qu'est-ce qu'il va faire avec le cochon? Déjà il est très moche. Tu mets de l'or, tu mets de... Alors il a dit ne mettez pas ça, de les perles sur un cochon, et ne donnez pas la sagesse à quelqu'un qui ne la veut pas et qui ne la met pas en pratique et qui ne la considère pas. Ne donnez pas la sagesse à quelqu'un qui ne le veut pas et qui ne la considère pas. وروي عنه عليه السلام في ذم علماء السوء الذين لا يعملون بما يعلمون قال يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلة نبت مر قاتل تعجب من رآها وتقتل من أكلها عن نبت من قال له الدفلة الدفلة وهذه النبتة منظرها حسن ولكن إيش هي سم. Et un jour, il a parlé des mauvais savants, ceux qui apprennent mais qui ne mettent pas en pratique ou il agit à l'encontre. Et il a dit, oh, les mauvais savants, les savants qui ne mettent pas en pratique leur science, il a dit, vous ne mettez pas en pratique ce que vous connaissez. Oh, les mauvais savants, vous avez mis la tête, le bas-monde sur votre tête et l'au-delà sous les pieds, c'est-à-dire... Vous travaillez pour l'au-delà et vous donnez la priorité à ça. Et pour l'au-delà, vous rentrez dans les péchés, dans le haram, vous soutenez les rois injustes, ainsi de suite. Alors c'est comme celui qui a mis l'au-delà sous les pieds, c'est-à-dire il agit à l'encontre de son intérêt pour l'au-delà et il court derrière le bas-monde comme celui qui l'a mis sur la tête. Il a dit, votre parole, c'est la guérison. Votre acte, c'est l'épidémie et la maladie. C'est-à-dire, la parole n'est pas en conformité avec l'acte. Il a dit, vous êtes à l'exemple d'un arbre, d'une plante qui s'appelait Difla. C'est une plante qui tue la personne qui la consomme. Mais si tu la vois, elle est une plante jolie. Il y a beaucoup de choses dont l'aspect sont très jolies, mais... Si tu les manges, voilà, c'est du poison qui tue. مزارعه الافيون مزارع حلوه ولكن اكلها تعطيها مضر. À la plante de l'opium, c'est comme il ressemble aux fleurs des tulipes, mais de cette plante on prend l'opium qui tue la santé, qui est une drogue forte. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته. هذا مثل هذا أيضا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قريب منه فليسعك بيتك وابقي على خطيئتك. Alors ça a été rapporté qu'il a dit bonne nouvelle à celui qui pleure après la désobéissance, c'est-à-dire s'il désobéit, il regrette et il pleure par crainte de Dieu et il préserve sa langue et il ne dit pas n'importe quelle chose et il se contente de ce que Allah Ta'ala lui a donné et il est satisfait de ce que Allah Ta'ala lui a donné. هنا أيضا من جملة كلامه مرة لما قال أصحابه ما أنتن رائحة هذا الكلب قال ما أشد بياض أسنانه. Pour les habitués à dire des bonnes choses, ses élèves ont dit, ah, quelle mauvaise odeur du cadavre du chien. Et il a dit, regardez les dents, comment ils sont blanches. Pour leur dire, choisissez, prenez l'habitude à voir des choses positives et parler d'une manière. Pourquoi vous avez parlé seulement de l'odeur? Il y a les dents qui sont blanches. Et lorsque tu regardes ton frère, tu ne cites pas les défauts, mais tu parles de ses qualités. Si tu as quelque chose à dire, tu lui dis à lui-même en privé, « Mon frère, il y a telle et telle chose, il faut que tu changes. » Et tu ne dis pas devant les gens. Alors, طبعاً, في ناس تأمروا على عيسى عليه السلام وأرادوا قتله. Il y a des gens qui ont rusé, qui ont comploté, qui ont voulu tuer Jésus عليه السلام, malgré que c'est un prophète messager, fils de Maryam, fils de Umran, un grand chef de
parmi Bani Israël. Et malgré ça, il y en a des gens qui voulaient le tuer. Et ils ont dit de lui, c'est un menteur. Ils ont dit de lui, c'est un sorcier. Ils ont dit de lui, fornicateur. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Et dans beaucoup de gens, ma'anna haza ibn Maryam. Maryam bint Imran. Wa Imran, rajul azim min Bani Israël, Imran. ومع هذا قالوا عنه ساحر وقال عنه كاذب وقالوا عنه ابن زنا والعياذ بالله تعالى قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن أتباع عيسى مسلمون، لأن المسلم هو من آمن بالله وصدق بالنبي الذي بعث في زمانه. Les élèves de Jésus étaient des musulmans, parce que le musulman, c'est celui qui a cru en Dieu et qui a suivi le prophète du temps. Et que ça veut dire musulman? Être soumis à Dieu. من أين أتت كلمة مسلم وإسلام؟ من الخضوع لله. الإسلام هو الانقياد لله بالاعتقاد. D'où vient le mot musulman? Musulman, être soumis à Dieu, par le fait de croire en Dieu et croire à ses prophètes. Si quelqu'un n'a pas cru au prophète Mohammed, on ne peut pas dire c'est un musulman. Fi wahad munafiq kan bidda' annahu huwa islamolog bi Genève, docteur kaza, marratan qal al-islam huwa al-inqiyad wa antum munqadun fi yahud wa nasara ou protestants ou catholiques. قالون انتو سومي اذا انتم مسلمون. فواحد قال انا مبسوط بهالتعريف صار فيني اقول عن حالي انا مسلم بروتستانت. هذا الذي لا يؤمن بمحمد او يقول بالتثليث او يكذب عيسى ومحمد لا يقال عنه مسلم، لا يقال عنه مؤمن. جدي يعني هيبوكريت كي سوا ديزون. Et il s'est nommé islamologue et puis dernièrement il était dévoilé qu'il viole les femmes. Mais avant Hizb al-Ikhwan, tu vois, voilà, c'était tel et tel et tel. Allah Ta'ala l'a dévoilé. Et un jour, celui-là, il a dit aux gens, et il a dit, il y avait par exemple des noms musulmans, chrétiens, juifs, protestants, catholiques, tout ça. Il a dit, pour moi, l'islam, c'est pas la religion de l'islam. L'islam, dans l'aïa inna dina inda Allah l'islam, la religion agréée par Allah l'islam, il a dit la soumission. Et vous, vous êtes soumis, alors vous êtes des musulmans. Mais celui qui dit Muhammad est un menteur, celui qui dit Jésus est un menteur, est-ce qu'on peut dire ça, c'est un musulman? Est-ce qu'il est soumis déjà? Est-ce qu'il est soumis à Dieu? Non, il n'est pas soumis. Il n'est pas soumis, celui qui dit Muhammad et Jésus, ce sont deux menteurs. Celui qui dit il y a trois dieux, est-ce qu'on peut dire il est soumis? Non. Alors, mais c'est ça l'hypocrisie. Lorsque quelqu'un il fait l'hypocrisie, regarde comment après il est dévoilé. Il a voulu assister à une réunion dans une commune. Les gens, ils ont dit non, on ne veut pas que tu sois avec nous sur cette table. Ils ont sorti, ils l'ont laissé seul, ils n'ont pas accepté. Parce que Dieu l'a dévoilé, c'est quelqu'un qui viole les femmes, tout ça, et ils disent aux gens islamologues. استمر أكثر بنو إسرائيل كثير من الناس من بزمن عيسى ما آمنوا به. Beaucoup parmi les peuples d'Israël n'ont pas cru à Jésus comme prophète messager. Beaucoup. Il y avait des gens qui ont accepté, mais beaucoup n'ont pas accepté. Soit pour leur poste, pour leur argent, pour la dunya, ils n'ont pas cru. وكان منهم طائفة صالحة كان له أنصارا وأعوانا. Mais il y avait quand même certains qui ont cru à Jésus comme prophète, messager, Abdullah wa Rasulu, l'esclave de Dieu et son messager. Wa'anu 'ala nashr al-islam, ils ont propagé l'islam avec lui. Ils ont sorti pour appeler les gens à adorer Dieu et à croire à Jésus comme prophète, messager, comme un esclave et prophète et pas comme Dieu et pas du tout comme certains prétendent qu'il est fils de Dieu. ولما أخذت دعوته تنتشر ويكثر أتباعه حسده بعض الناس وتآمروا عليه
Lorsque il avait maintenant des élèves qui sont motivés, qui appellent les gens et ils deviennent un peu nombreux, certains l'ont envié, étaient jaloux de lui et ils ont commencé à comploter contre lui, à faire pousser les Romains pour le tuer. فوشوا به إلى بعض الملوك وعزموا على قتله. Ils ont parlé contre lui chez certains rois. لكن الله تعالى نجاه من مكيدته ورفعه إلى السماء. Mais Allah تعالى l'a sauvé de leur ruse et il l'a élevé au ciel. وألقى شبهه على أحد تلامذته وهو كان عيسى قال لهم إن منكم من سيكفر بعدي. Jésus il a dit, il y en a certains parmi vous ceux qui vont mécroire après moi dans quelques jours. Et puis il a dit, qui accepte d'être tué à ma place et il sera avec moi dans le paradis? Man yarda an yuqtal makani fa yakun rafiqi fil janna. Fa asgharuhum qal ana. Le plus petit, le plus jeune a dit moi. Puis Jésus il a répété, il y aura des parmi vous qui va mécroire en moi, qui accepte d'être tué à ma place et il sera avec moi dans le paradis. Le plus jeune a dit c'est moi. La troisième fois encore il a dit c'est moi, il a dit c'est toi. Et Allah Ta'ala l'a élevé au ciel. Et lorsque les Romains qui ont été poussés par certains pour tuer Jésus, ils ont pris celui-là en voyant l'aspect de Jésus, le visage. Parce que Allah Ta'ala a mis la ressemblance de cet homme à Jésus alayhi salam et ils l'ont pris, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. لكن لابد نعلم جزما ان الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا ما في كلام, ما في كلام. بعدين هم انفسهم هؤلاء الذين قتلوا وصلبوا كان خمسة اقوال عندهم. اولا لم ينظروا من قريب لان الرومان اخذوه وهذا الرجل اللي هو من تلامذته وصلبوا قتلوا ما تركوا أحد يقترب من بعيد. إذن الذين نظروا من بعيد قالوا هذا عيسى. بعضهم قال الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. بعضهم قال إن كان هذا عيسى أين صاحبنا, وإن كان هذا صاحبنا أين عيسى. بعضهم قال رفعه الله إلى السماء. بعضهم قال هو إله لا يصح قتله. بعضهم قال هو عيسى قد صلبوا. فإذن خمسة أو ست أقوال من عدد قليل. فإذا هذا العدد القليل لم يتفق على قول واحد ولم يكن النظر الصحيح السليم اليقين لم ينظر عن قرب فلم يكن الخبر خبرا صادقا لأنه لم يرتكز على رؤية ثابتة صحيحة متفق عليها والخبر المتواتر لابد أن يكون مرتكزا إلى الحس التام من السماع أو البصر لابد أن يكون مرتكزا إلى هذا وهذا غير متوفر بالمجموعة القليلة اخترقوا على خمسة أو ست أقوال فلم يكن الخبر متواتر لأنه لم يبدأ بعدد كثير ثم ينتهي بعدد كثير إنما بدأ بعدد قليل وهذا العدد القليل لم يكن مرتكزا إلى الحس التام إنما هو نظر من بعيد إنما هو نظر من بعيد. Alors j'ai dit que la parole que les chrétiens disent Jésus a été crucifié et tué, il y a un faille. Parce que c'est pourquoi je dis il y a un faille, parce que les sources de connaissance sont trois. مصادر العلم يعني من أين نأخذ العلم عندنا ثلاث مصادر للعلم. الحواس السليمة الخبر الصادق والعقل. Tu as trois sources de science, les cinq sens. Par exemple, vous êtes là dans cette séance, à droite, à gauche, au fond, au milieu, chacun il s'assoit d'une, voilà, c'est une connaissance sûre, je m'appuie sur la vue. Les cinq sens, c'est l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Deux, al-khabar al-sadiq. C'est quoi al-khabar al-sadiq? Khabar al-sadiq, on a deux choses. Khabar al-sadiq, deux choses. La parole de tout prophète, al-kalam ayyi nabi, khabar al-sadiq. Lianna Allah la yursilu kadhiban. La parole de n'importe quel prophète est une parole véridique parce que Allah n'envoie pas un menteur. Lakin, hadha bil-nisba liman sami'ahu. أما بالنسبة لنا لابد أن يكون إيش بعدين في شروط حتى نقول هذا الرسول قاله أم لا هناك شروط pour dire que c'est une parole le prophète l'a dit ou non il y a des conditions. Et la deuxième chose بالخبر الصادق, la deuxième chose dans la nouvelle véridique, c'est la nouvelle rapportée par un grand nombre, الخبر المتواتر,
هنا ما قلنا نحن أن يكون مسلم أو غير مسلم أو نبي، لا، الخبر المتواتر. ما هو الخبر المتواتر؟ الذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير من الأول إلى النهاية. C'est quoi la nouvelle متواتر؟ C'est la parole rapportée par un grand nombre dès le début jusqu'à la fin, à condition qu'au début il est basé sur une vue sur et lui sur. يعني بشرط أن يكون في الأول استند إلى الحس التام، استند إلى الحس التام من الرؤية والسماع مثلا. طيب هل النصارى قالوا خبر أن عيسى قتل وصلب متواتر، هل استند إلى الحس التام؟ لا، لأنهم ما كانوا قريبين منه. اثنين، هل كانوا جمع كثير لما نقلوا الخبر؟ ما كانوا، واختلفوا فيما بينهم، اختلفوا. إذن هذا ليس خبر متواتر، لأن الضعف يأتي أن في الطبقة الأولى لم يروا عن قريب ولم يتفقوا على قول واحد، لا استند إلى الحس التام ولم يكن عددا كبيرا، واختلفوا فيما بينهم. منهم من يقول رفع، منهم من يقول قتل، منهم من يقول لا هذا إله لا يصح قتله، منهم من يقول الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا، ومنهم من يقول لا هذا صاحبنا وعيسى رفع إلى السماء. إذن اختلفوا ولم يكونوا على قول واحد، فليس خبرا متواتر. Alors ça, pour dire la nouvelle que certains disent que Jésus a été tué et crucifié, il y a un faille. Même si maintenant il y a un milliard qui dit Jésus a été tué et crucifié, il y a un faille au début. Au début, les gens qui ont parlé de ça, ils n'étaient pas un grand nombre, ils étaient une dizaine. Deux, ils n'étaient pas proches pour dire on a vu et c'est sûr. Trois, qu'il y avait cinq avis entre eux. Certains disent si c'est Jésus, où est notre ami? Mais il y avait un avec nous, on ne le trouve pas. Et si c'est notre ami, où est Jésus? Ils étaient dans cette inquiétude, dans ce doute. Il y en a ceux qui ont dit, non, Jésus, Allah l'a élevé au ciel, c'est notre ami. Il y en a d'autres qui ont dit, non, c'est Jésus qui a été tué et crucifié. D'autres ont dit, non, c'est un Dieu, ils ne peuvent pas le tuer. Tu vois, alors, quatre ou cinq avis qui ont pris ce groupe. Alors, on ne peut pas dire que c'est une nouvelle mutawatir. Mais, par exemple, lorsqu'on dit, le Coran a été révélé sur le prophète Mohammed, et ça a été rapporté aux musulmans aujourd'hui par un grand nombre. C'est juste parce que les sahaba qui ont écrit le Coran et qui ont appris et qui ont entendu le prophète en train de réciter le Coran pendant 23 ans, ils étaient beaucoup, très nombreux. Et on n'a pas perdu une lettre depuis Sayyidina Muhammad jusqu'à nos jours. Ça, c'est khabar mutawatir. Le fait que l'eau a jailli des doigts du prophète, alayhi salatu wasalam, une fois ils étaient 1500, une fois ils étaient 300, une fois ils étaient à peu près 80. Et ces gens-là, ils ont dit, on a vu l'eau jaillir des doigts. Et c'était à côté d'eux. Ah, ils ont parlé de ça, ils étaient nombreux. Et la nouvelle a été transmise jusqu'à nos jours. Alors ça, c'est une nouvelle mutawatir. Un autre exemple, Napoléon Bonaparte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu parmi vous? Salah al-Din al-Ayyubi, est-ce que quelqu'un l'a vu? Genghis Khan. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Mais ces gens-là ont existé. Mais on ne les a pas vus. Comment vous avez su? Parce que c'est un grand nombre qui rapporte qu'il y avait à telle époque telle personne, à telle époque telle personne. Un grand nombre à rapporter. Alors, on ne peut pas dire, oui, moi, je n'ai pas vu, je ne crois pas. Alors, tu peux me dire, alors, tu n'as pas vu que c'est ta mère. Comment tu as dit c'est ma mère? Comment tu as su que c'est ta mère? Mais elle a dit et le monde autour a confirmé que c'est ta mère. Mais c'est pas juste de dire, quelqu'un une fois il a dit, moi je ne crois en Dieu que si je le vois. Et c'était dans une classe, il a dit aux élèves, vous voyez le tableau? On a dit oui, ah le tableau existe. Vous voyez les tables? Oui, alors les tables existent. Vous voyez le mur? Oui, alors le mur existe. Vous voyez Dieu? Ils ont dit non, il a dit Dieu n'existe pas. Un élève, il a dit, je peux moi poser la question? Il a dit oui. Vous voyez le mur existe. Vous voyez le tableau? Oui, alors le tableau existe. Après, il a dit, vous voyez la raison de notre prof? Non, elle a dit, notre prof n'a pas de raison. Parce que tu prétends que
Si on ne voit pas, ça veut dire n'existe pas, des fois tu es content, mais on ne voit pas que tu es content. Tu ressens. Tu es malheureux, tu as une douleur, mais on ne voit pas, tu ressens la douleur. Et nous, on ne voit pas Allah, subhanahu wa ta'ala, mais on voit toute chose qui prouve son existence. Si le monde existe, prouve qu'il y a un créateur. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lamu ahkam, alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.